J'étais en train de faire cet exo-là vendredi. On l'a fini un petit peu au forceps. Ça montrait que la série des UN pour n supérieur ou égal à 2 ici, vu qu'on ne peut pas la définir pour n égale 0 et n égale 1, était convergente. Je voulais juste vous le montrer parce qu'on a utilisé là ce qu'on appelle la méthode de la quantité conjuguée. Je vais reprendre ce que j'appelle le même terme général, mais pour vous montrer que cette méthode que j'aime pas trop de la quantité conjuguée, c'est très spécifique aux racines. Alors que si je vous donne l'idée de prendre Vn qui est ceci, maintenant, fondamentalement, l'idée de la quantité conjuguée va beaucoup moins marcher vu qu'on n'a pas les mêmes propriétés avec le carré et le ln qu'avec la racine et le carré. Donc la quantité conjuguée va moins bien marcher alors que la méthode classique qui est essayer de contrôler le terme et utiliser notamment nos techniques pour contrôler les termes qui sont la croissance comparée et les développements limités au point de référence, ça marche beaucoup mieux. Avec les idées fondamentales de factoriser par le terme dominant et ce genre de choses qu'on avait vu en début d'année. Donc, je vais le reprendre avec la racine, vu que c'est souvent le développement limité que vous connaissez le moins. Mais moralement, l'idée de la deuxième méthode que je vais vous donner là pour essayer de contrôler ce terme dominant, essayer de voir si la série converge, ça pourrait bien entendu s'appliquer avec des LN. Allons-y. L'idée fondamentale qu'il faut reprendre absolument, c'est que cette différence, on sait mal la gérer, donc on va plutôt transformer ça en produit. Et pour transformer ça en produit, on va mettre ça au même dénominateur. Et si je mets au même dénominateur, ça me fait ceci. Le problème, c'est que j'ai rien résolu du problème parce que au numérateur, j'ai un truc qui tend vers l'infini, moins un truc qui tend vers l'infini, c'est une forme indéterminée. Qu'on a fait, qui est une méthode qui marchera, qui devra être faite et qui marchera tout le temps pour essayer de contrôler l'ordre de grandeur des différents termes, on l'avait vu vendredi, qu'est-ce qu'il faut faire sur chacune de ces racines pour essayer de mieux les contrôler? Moralement, elles se comportent comme quoi toutes ces racines de n carré moins 1, n carré plus 1, n carré. Enfin. J'exagère, hein, je triche, on n'a pas le droit de composer les équivalents, donc on n'a pas le droit d'écrire ça. Mais moralement, ça se comporte, le terme dominant c'est n carré sous la racine, donc ça se comporte comme n moralement, on est bien d'accord. On n'a pas le droit de l'écrire parce qu'on n'a pas le droit de faire de somme d'équivalents. Mais enfin, cet équivalent-là est correct. Mais maintenant, puisqu'on a une différence des deux au numérateur, etc., on n'a pas le droit d'écrire ça directement. Comment on le met en avant et qu'on ne fait pas d'erreur de calcul, cet équivalent, comment on l'obtient? Bah, on l'a dit, ce qui domine dans la racine, c'est le n carré, donc il suffit dans chacune des racines de factoriser par n carré. Si je le fais, ça va me faire du racine de n carré facteur de 1 plus 1 sur n carré, moins racine de n carré facteur de 1 moins 1 sur n carré, et bien sûr, je fais la même chose en bas. Je vais un tout petit peu plus vite en bas. Je vais écrire ça sous forme de produit. Ce qui fait que quand je vais faire la racine de n carré, devant, ça va me faire du valeur absolue de n. Hein. Fois valeur absolue de n, racine de 1 plus 1 sur n carré. Ce qui vous donne l'idée de faire ça, c'est que c'est la version calcul technique de cette idée d'équivalent. Maintenant, qu'est-ce que ça peut donner ça? Déjà, je vais plus m'embêter avec le dénominateur. Le dénominateur, il est géré maintenant. Le dénominateur, c'est n carré fois racine de 1 moins 1 sur n carré, fois racine de 1 plus 1 sur n carré. Ça, c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini. Bah, n carré, je ne peux pas faire mieux. Et les deux autres termes, ils tendent vers 1. Donc cette quantité au dénominateur, elle se comporte comme du n carré. Ok. Le numérateur. Le numérateur, c'est du n racine de 1 plus 1 sur n carré, moins n racine de 1 moins 1 sur n carré.
qu'on peut refactoriser, et ça fait ceci. Et donc là, on a fait vraiment ce que je rappelais le cœur de ce qu'on faisait en tout début d'année sur ce terme, c'est-à-dire qu'on a bien mis le terme dominant en facteur n. Problème, à l'intérieur de la parenthèse, on a clairement une différence de deux termes qui tendent vers 0. Donc si je fais la limite juste brutale de ça, j'ai l'infini fois 0, c'est toujours une forme indéterminée. Heureusement, maintenant, on a mieux pour pouvoir lever l'indétermination. Ici, on a une puissance qui est au voisinage de 1. On a le développement limité de la puissance au voisinage de 1. Ça, je peux le réécrire, si vous le voulez, comme du 1 plus 1 sur n carré puissance 1/2 moins 1 moins 1 sur n carré puissance 1/2. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler les deux premiers termes du développement limité de la puissance ? Noix ? Oui, c'est du 1 plus alpha x, et ici, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour le moment. On veut juste... Le problème, c'est que si je prends le premier terme étant 1, je vais faire du 1 moins 1, et ça ne va pas lever l'indétermination. Donc, ce que je vais faire, c'est aller un cran plus loin. Je vais prendre du 1 plus 1 demi de x, et on va voir. Normalement, si vous êtes à tout petit peu près clair niveau calcul, je vais me faire du moins par moins. Ça doit me faire du plus et ça doit marcher si je fais pas de bêtises. Donc allons-y. Donc j'ai pas envie de recopier tout le terme, donc je l'appelle A ce terme là-haut. Donc ce terme A, il va se réécrire 1 plus 1/2 et le x, je vais le remplacer par 1 sur n carré plus petit o de 1 sur n carré moins 1 plus 1/2 de moins 1 sur n carré, plus petit o de moins 1 sur n carré, mais mettre un moins dans un petit o, on l'a déjà vu, ça sert à rien. Je vais pas fermer une parenthèse de trop, non, je pense pas. Et donc si on développe et si on simplifie ça, ça va me faire du... je vais avoir des termes en 1 sur n carré, les termes en 1 se simplifient, et je vais me retrouver avec du 1/2 plus 1/2 en 1 sur n carré, plus petit o de 1 sur n carré. Donc je l'ai bien écrit avec un seul terme plus petit o de ce terme, donc j'ai bien en fait trouvé un équivalent, encore une fois, c'est tout le principe de ce truc-là. Le numérateur est équivalent, quand n tend à r plus l'infini, à n fois 1/2 plus 1/2, ça fait du 1 sur n carré, ce terme-là, il est équivalent à du 1 sur n. Voilà. Alors je renote juste pour écrire ma dernière ligne, le dénominateur, je vais l'appeler B. Donc UN, ma quantité UN, maintenant c'est bien ma quantité A sur B. Et donc vu que j'ai trouvé un équivalent de A et un équivalent de B, le numérateur il se comportait, j'ai dit, je viens de le dire, il se comporte comme 1 sur N, et le dénominateur il se comporte comme du N carré. Donc on a du 1 sur N cube. Et ça, ça tend... je veux pas dire que ça tend. On a donc une série de termes générales qui est équivalent à 1 sur n cube. Ce qu'on avait fait l'autre fois, mais par critère de comparaison. Sur les séries à termes positifs. J'ai oublié de mettre, il faut le dire... La série des 1 sur n cube converge, c'est une série de Riemann, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Comme cette série converge, sigma des un converge. Voilà pour cet exercice que je voulais faire par la méthode plus classique des développements limités. C'est pour ça qu'on a besoin des développements limités et de connaître ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vous en sortir sur ce genre de terme général si vous n'avez pas les développements limités. Continuons un petit peu, après on avancera sur le cours. Faisons peut-être un exemple ou deux. Oui.
On a déjà fait celui-là. Oh. Alors celui-là, c'est mon préféré. Bon, j'aime bien le donner en colle, mais je le donnerai pas en colle. On a déjà vu sur plusieurs exemples que pour savoir si une série converge ou diverge, il faut avoir en tête, il faut essayer de comprendre à quelle vitesse le terme général de la série va vers 0. Il faut qu'il aille vers 0 vite, le terme général. Là, c'est du 1 sur LNN puissance LNN. Donc clairement, LNN va vers l'infini. Ça va vers 0, ce terme général. La question, c'est est-ce que ça va vite vers 0 ou pas? Encore une fois, je vous laisse réfléchir une ou deux minutes. Je vous demande après à main levée qui pense que ça va vite vers 0 et qui pense que ça ne va pas vite vers 0. Qui pense que ça va pas vite vers 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qui pense que ça va vite vers 0? Martin, Clémence, bah vous avez gagné. Ah, ça va vite vers 0. Oui, LNN, ça va très lentement vers 0. Mais vous mettez à la puissance ce nombre par un truc qui va vers... Enfin, LNN, ça va lentement vers l'infini, ce qui fait qu'on pense que ça va aller lentement vers 0 en divisant par ça. Mais ça, vous le mettez à la puissance d'un nombre, et la puissance va vers plus l'infini. Une puissance qui va vers plus l'infini, c'est comme exponentielle x, en fait. Donc, il y a une notion qui est là-dessus. Et ça va vous montrer que tout ce qu'on a vu sur les limites, c'est utile. Comment on va prouver que ça va vite ou ça va lentement? Plusieurs choses, mais ça changerait en principe. On peut essayer de se comparer à une série de Riemann, comme il n'y a pas de N là-dedans. On peut peut-être revenir à la méthode générale. Encore une fois, tiens, je le précise ici. Cette série, on va la considérer pour N supérieur ou égal à 2, parce qu'on ne peut pas faire du LN de 1 en bas au dénominateur. C'est pas très très important. On peut revenir à la méthode générale pour essayer de contrôler ce terme. Mais pour contrôler ce terme, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. La méthode générale, elle est très bien pour si vous ne savez pas du tout vers quoi ça va tendre. Et c'est pour ça que je vais la réappliquer ici, parce que vous vous trompiez d'un point de vue concept. Donc il faut savoir aller à l'encontre de votre intuition. Et la méthode générale permet juste d'écrire les résultats et de déduire de l'ensemble des résultats qu'on peut écrire ce qu'on a le droit d'en déduire. Donc ça ne demande pas d'a priori sur le type de convergence qu'on cherche à prouver. Mais il va falloir quand même développer des idées sur les suites. Donc je rappelle, ça on l'a déjà, un tend quand n tend vers plus l'infini vers 0, c'est bon à dire, ça veut dire que la série des un ne diverge pas grossièrement. Ça ne sert pas à rien d'autre, ça n'a pas prouvé si ça converge, ça diverge, ça permet juste de vérifier très vite que ça ne sert à rien d'aller s'embêter avec cette série. Ensuite, on va aller diviser un par 1 sur n puissance alpha et essayer de contrôler cette limite. Donc ça fait du n puissance alpha divisé par lnn puissance lnn. C'est pour ça que j'arrête pas de vous répéter que c'est des méthodes sur les limites ou des idées. Comment je vais gérer cette limite? Et il y a une seule, enfin il y a deux méthodes ou une seule réponse avec deux variantes de méthodes dessus. Mais il y a un seul concept. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas la faire celle-là. Alors, si je vous mets des questions de cours, c'est pour que vous sachiez faire des analogies et comprendre des concepts. Ça tend vers quoi cet horaire? E. Quel est le concept? Athénaïs? Alors, oui, ça revient à composer par LN. Là, vu que c'est au milieu d'un calcul, je vais préférer revenir à la forme exponentielle de la puissance, c'est la même idée. L'idée que j'avais essayé de vous mettre en place sur cette question-là, c'est que dès que vous avez une puissance qui dépend de n à la fois en haut et en bas, ce qui est le cas ici avec le ln de n puissance ln de n, la seule façon de gérer cette limite, c'est de soit composer par ln, soit revenir à la forme exponentielle de la puissance.
Alors, faisons-le. Je vais faire la forme exponentielle de la puissance. Ça va faire que mon dénominateur va devenir du exponentiel de ln n fois ln de ln de n. Oui, c'est exactement ça. En haut, alors le problème c'est comparer du n puissance alpha à du exponentiel de quelque chose comme ça, c'est pas très très pratique. Je vais aussi utiliser la forme exponentielle de la puissance là-haut, même si j'en ai pas besoin. C'est juste pour pouvoir comparer les choses simplement. Ça c'est du exponentiel alpha ln 2. N. Donc c'est vraiment la même chose, hein. C'est juste il faut adapter les notations. Comment je continue pour essayer de comprendre cette limite? La propriété sur exponentielle. Mathéo? Ouais, on fait du exponentiel A sur exponentiel B, ça fait du exponentiel A moins B. On va essayer de regrouper ça dans la même puissance. Ça va me faire du alpha lnn moins lnn facteur de ln de ln de n. Comment je continue? Marie? Bah oui, c'est le seul terme commun entre les deux, on factorise. Et normalement, on a fini, il faut le voir, mais on a levé complètement l'indétermination de cette limite, quel que soit alpha. Quel que soit le réel alpha fixé, est-ce que quelqu'un peut me donner la limite quand n tend vers plus l'infini de ce petit terme-là? Et c'est ça qui fait tout. Quel que soit le réel alpha. À alpha fixé, j'enlève moins ln de ln de n. Ça va tendre vers quoi cette horreur? Noir. Oui, ln de n, c'est méga. Et c'est pour ça que vous avez. Et ce ln de n, c'est la différence qui va donner la limite finale du terme, et ce qui va faire que c'est au final rapide, c'est que. Et c'est pour ça que c'était compliqué à vous de l'étudier. Ce qui fait que ça va tendre rapidement vers moralement vers 0, cette fonction, c'est à cause du signe de cette quantité. C'est parce que cette quantité va être négative qu'on va tendre vers 0 facilement. Mais imaginez. Et c'est pour ça que c'était dur à concevoir. Imaginons qu'alpha est une constante, je sais pas, c'est 10. Pour qu'un ln de n dépasse 10, je sais pas, il faut que le ln soit déjà au niveau de 100 ou de 1000. Enfin, il faut être très très loin dans le ln pour que ce nombre devienne négatif. Et c'est ça que vous avez du mal à concevoir d'un point de vue, quand je vous donne le terme général de base. Mais ici, ln de n, c'est quelque chose qui va très 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 lentement vers plus l'infini. Donc si je fais moins ça, je vais très 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 lentement vers moins l'infini. J'ai beau ajouter alpha, mais alpha c'est une constante, ça va vers moins l'infini. Ce qui fait qu'au final, l'ensemble de l'exponentielle se comporte comme une exponentielle de moins l'infini, et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc je viens d'obtenir quelque chose qui tend vers 0. Question, qui est un petit taux de qui? UN est un petit taux de 1 sur n alpha ou 1 sur n alpha est un petit taux de UN? C'est pour ça qu'il faut connaître votre définition. Notre calcul de base, c'est UN sur 1 sur n puissance alpha. Il faut connaître votre définition de petit taux à cause de ça. Comment cette méthode me permet de remplir le petit taux qui est là? Samy? Alors, qu'est-ce qui est dans le cadre rouge, qu'est-ce qui est dans le cadre bleu? En fait, j'ai juste envie de dire que UL est dérisoire par rapport à 1 sur n alpha. Je suis d'accord. Mais attendez, petit taux, c'est 1 sur. UN est un UN petit taux de 1 sur n alpha. Voilà.
Non, mais c'est déjà bien, ça veut dire que tu as déjà compris le concept en disant il est négligeable. En fait, voilà, quand tu dis dérisoire, retraduit par il est négligeable devant. Et la notation il est négligeable devant, c'est la notation petit o. Et donc, c'est en me disant, en lisant cette notation en bas comme un est négligeable devant un sur n alpha, tu l'as écrit dans le bon sens. Donc, un est un petit o de 1 sur n alpha, quel que soit alpha réel. Alors. Je l'ai pas encore fait ça, mais on va le faire. Si ça vous aide, hein, si ça vous aide pas, pas besoin de faire mon axe, mais je vais vous faire un petit axe réel. Ce qu'on sait, nous, d'un point de vue, ça, c'est l'axe de cours. Et entre guillemets, c'est ce que je vais mettre, c'est que c'est l'axe de l'exo. Le cours, il nous dit quoi? Il nous dit que ce qu'on veut pour pouvoir conclure. Ces trois résultats, si j'exclus ici, le cours il nous dit que. Enfin, en gros, ici, ça nous dit que 1 sur n alpha converge. Ça, c'est pour alpha avec la barrière ici, elle est au niveau de alpha égale 1. Ici, le cours il nous dit qu'ici, enfin, sigma, il manque un sigma ici. Mais sigma des 1 sur n alpha ici, ça diverge. Ce que nous donne l'exo. Ce qu'on sait, alors après il faut vérifier, mais ce qu'on a obtenu de l'exo, c'est qu'on a un qui est plus petit que 1 sur n puissance alpha. La question, c'est si l'inégalité dans ce sens-là, et ça c'est quel que soit alpha appartenant à R. La question qu'il y a pour compléter, c'est avoir un résultat de ce type-là, mais savoir avec le terme de l'exo. Si c'est un qui est plus petit que, moralement, ce que je veux vous dire, c'est que ça se comporte comme de la convergence. Donc, ce qu'on pourrait faire comme graphe ici, c'est que dans l'exo, on a un qui est plus petit que la suite, dans ce terme-là. Ce que j'essaye de faire avec mes couleurs, est-ce qu'il y a du sens, c'est que plus petit que, et mes couleurs bleu-rouge, je vais les garder telles quelles à chaque fois, c'est pour vous aider à moyen mnémotechnique, c'est un peu comme si elle était plus. Donc plus petite, plus froide, si on voit les nombres comme des températures. C'est juste pour vous expliquer ça. Donc si la suite, elle est plus petite, on peut voir ça comme du plus froid. Ce que ça vous permet de voir ça, c'est que à quoi sert ce résultat? Et ça a à voir avec mes graphes que j'avais fait aussi là ce vendredi avec mes trois courbes comme ça qui étaient parallèles. Si un est plus petit que 1 sur n puissance alpha, dans quelle situation on peut conclure ici? Bah, c'est dans la situation qui est commune aux deux. Donc on va aller se comparer à un alpha qui est strictement plus grand que 1. Et donc on va pouvoir dire que la série est convergente. Bonjour Amélie. Tu t'es perdu dans la cour après la gueule? Non, je viens d'être sur une voiture. Ah pardon, excuse-moi, je savais pas. C'est pas aussi Désolé. drôle. Pardon. Ça va? Rien de grave pour toi, c'est le principal? Alors, hop, or, on a sigma des 1 sur n alpha qui converge pour alpha strictement plus grand que 1 par critère. Sur les séries à terme général positif, sigma des un converge. Ok. J'en fais un dernier, on commence le cours, parce que là je commence à me dire, ils vont dire que tout converge, de toute façon tout ce que je leur donne, ça converge. Du coup, forcément, je viens de dire ça, Louis a très bien supposé que ça diverge. Mais comment on va le montrer que ça diverge? Imaginons que je vous demande si cette série-là, est-ce que sigma des un converge? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui fait que cet exemple est d'une bêtise pure?
Exactement, Baptiste. J'ai fait exprès de vous donner une série. Si vous essayez de faire la méthode générale, ah oui, il y a du n en haut et en bas, je repasse à la forme exponentielle, vous faites des calculs pendant une demi-heure. Et à la fin, vous faites, enfin, j'ai déjà donné en colle, hein, je l'ai vu pendant 10 minutes quelqu'un se battre à essayer de faire ça. Je fais, bah, au moins je vérifie s'il maîtrise sa méthode sur la forme exponentielle et tout ça. Puis à la fin, il fait, ça diverge. Je fais, oui, mais UN convergeait, enfin, ne tendait déjà pas vers 0. Donc à partir de là, ça marchait pas. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que moralement, alors, c'est pas une preuve, hein, mais c'est juste pour vous faire comprendre ce qui se passe. 4n sur 3n moins 1. Ça se comporte comme du 4n sur 3n. Ce qui fait du 4 tiers. Et donc, ce que je suis en train de faire moralement, c'est du 4 tiers puissance 2n plus 1 qui va tendre vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Je n'ai pas le droit de composer les équivalents. Donc ce petit raisonnement que je viens de faire ne marche pas. Il va quand même falloir que je passe à ma forme exponentielle. Mais pas besoin de me comparer à du 1 sur n alpha ou de faire toute la méthode qu'on a fait avant. On va juste te donner proprement la limite de ce truc-là et voir que ça tend vers plus l'infini et c'est tout. Donc un, ce qu'on va plutôt écrire, c'est que c'est exponentielle de 2n plus 1 ln de 4n sur 3n moins 1. À ce moment-là, vu que j'ai pas le droit de composer mes équivalents, je peux faire ma méthode classique de factorisation. Ça fait du exponentiel de 2n plus 1 ln de 4n sur 3n facteur de 1. C'est pas un plus, c'est un moins, excusez-moi. Ce qui fait du exponentiel de 2n plus 1. Je vais me retrouver avec du ln de 4 tiers que je vais laisser tel quel, moins ln de 1 moins 1 sur 3n. Et j'ai complètement levé l'indétermination. C'est-à-dire que cette chose-là, ça tend quand n tend vers plus l'infini, bah c'est clairement du... ça tend vers ln de 4 tiers moins 0, hein, tout simplement, c'est du ln de 1 derrière. Ln de 4 tiers, je rappelle, qui est un nombre strictement positif parce que c'est plus grand que ln de 1. Donc j'ai bien une exponentielle avec du 2n plus 1 d'un terme strictement positif. L'ensemble du terme, ça tend quand n tend vers plus l'infini. Bah, ça se comporte comme du exponentiel de plus l'infini et ça tend donc vers plus l'infini. La série divergent grossièrement. Ok. Alors. Oui. Si, c'était juste pour vous montrer comment, enfin... La seule chose qui est importante, c'est que vous ne composiez pas les équivalents. Si vous composez les limites en disant ça tend vers 4 tiers, l'autre... La meilleure méthode, si vous ne voulez pas passer par la forme exponentielle, c'est la meilleure solution, c'est d'utiliser les inégalités. C'est-à-dire d'utiliser le preuve... Et c'est fait exprès. C'est-à-dire que si on veut faire une preuve rapide et simple, ça vient de ceci. Ceci, ce qu'on peut dire, c'est que... je dis pas de bêtises... 3n moins 1, c'est plus petit que 3n. Si j'inverse... Ah non, ça va dans le mauvais sens. J'ai mis 3n moins 1 ou 3n plus 1 ? J'ai mis 3n moins 1. Non, si je veux le faire facilement, j'aurais dû vous mettre du 3n plus 1. Là, on est quasiment obligé de repasser par la forme exponentielle. Ou alors, je dois décaler d'un cran. Et je le fais sur 4n. Par inégalité, non, ça marcherait pas bien. Non, ici, il n'y a pas de bonne solution. Ou alors, il faut décaler tous les indices. Comme j'ai mis du 3n moins 1, c'est un peu lourd. C'était parce que je devais vouloir vous forcer à expliquer ça par la forme exponentielle. Mais de toute façon, ça dépend de n en haut et en bas.
il faut revenir à la forme exponentielle. C'est juste que rajouter du 1 sur n alpha dans les calculs pour essayer de revenir à la méthode générale, ça sert strictement à rien ici. Ok. Donc ce sera une des compétences qu'on vous demandera en sujet. On vous donnera des séries. Est-ce que la série converge? Cette compétence de convergence des séries, en fait, on l'a développée pour autre chose aussi. Et on l'a déjà fait dans certains sujets où j'ai modifié des petits bouts de questions dans certains sujets. Ça sert maintenant à prouver la convergence de suite. Et j'ai dû, depuis le début de l'année, vous modifier plein de sujets pour contourner cet aspect-là. Faisons-le. Expliquons à quoi ça peut servir. On va revenir sur une propriété que j'ai passée de début de chapitre. Je vous ai passé cette série-là. Cette propriété-là. Alors. Ça, c'est juste une petite formule de rappel. On la connaît bien, cette formule-là. C'est le calcul des sommes télescopiques. Si je fais une somme pour k égale 0 à n des uk plus 1 moins uk, bah on sait que ça fait un plus 1 moins u0. Mais maintenant qu'on sait faire des séries et des sommes infinies, je vous rappelle que sigma des un converge, c'est équivalent, là par définition, à juste dire que la somme, par exemple pour n égale 0 à plus l'infini des un, ce nombre-là existe. Du coup, je vais utiliser une notation un peu fausse, mais si je passe à la limite là-dedans, si je passe à la limite dans ce calcul-là, ce que je suis en train d'écrire, c'est que la somme pour n égale 0 à plus l'infini des un plus 1 moins un, entre guillemets, c'est égal à u infini moins u0. Est-ce que vous êtes d'accord que si je fais une notation un peu fausse mathématique, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe à la limite, ça fait ça. Ce qui permet de comprendre quelque chose, et c'est un truc qui est utilisé assez fréquemment, c'est que si je sais que la suite un converge, si je sais que la suite un converge à une limite L, bah instantanément je peux déduire que ce qu'on va appeler la série télescopique associée à la suite un, forcément si le membre de droite a une limite finie, le membre de gauche a une limite finie, la série est convergente. Mais en fait, et c'est ça le gros résultat de cette propriété, c'est ce qu'on va servir le plus souvent, c'est pas dans ce sens-là. C'est que parfois, pour contrôler une suite qui sera mal définie ou dont on maîtrise mal le terme général, on va aller plutôt considérer la série des accroissements de la suite, la série télescopique, et montrer que si la série des un plus 1 moins un converge, si cette somme infinie existe, alors instantanément, on sait que la suite va converger par l'égalité qui est là. Et on aura que la limite de la suite, ce sera la somme de la série plus U0. Donc on peut aussi déduire que si la série converge, alors la suite UN converge. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est le principe de cette série, la série télescopique a même nature que la suite UN. Je vais vous montrer des exos qu'on a déjà fait, mais que j'ai dû modifier ou admettre des résultats qui ne marchaient pas pour vous faire... parce qu'on n'avait pas encore les résultats sur les séries. Prenons le poly d'exo. Ça, c'est votre DS3 ou votre... je ne sais plus quel DS que vous aviez. Je crois que je l'ai remis. J'ai fait une version résumée. Hein. Je sais plus c'est à quel DS, mais vous l'avez eu cette suite-là, UN. UN qui était la somme, somme pour k égale 1 à n, d1 sur k moins lnn. Vous l'avez fait en DS, et je vous ai rajouté en question de cours il y a de ça 3-4 semaines, de montrer que un plus 1 moins un, c'est
C'était équivalent quand n tend vers plus l'infini à moins 1 sur 2n carré. J'ai gardé le fait qu'on admet que ln de 1 plus x ça vaut ça, mais c'est pas un plus égal, c'est plus petit o. Et le égal il doit pas être là, il est là le égal. C'était au cas où on avait fait, vu que j'avais préparé le chapitre avant de savoir si je vous faisais les DL avant ou pas. Est-ce que ça vous rappelle des choses cette question 1? On l'a déjà fait. On a déjà montré que un plus 1 moins un c'est équivalent à moins 1 sur 2n carré. Je le fais très très vite. Mais moralement, si on fait un plus 1 moins un, je refais pas tous les calculs, mais si on fait châle, c'est le point qu'il faut maîtriser. Cette somme, elle vaut moralement 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln de n. Ce qui serait écrit du 1 sur n plus 1 moins... non, c'est un plus ou c'est un moins. Dans quel sens je vais le mettre? Ça fait un plus. Ln de n sur n plus 1 qui fait du 1 sur n plus 1 plus ln de 1 moins 1 sur n plus 1. Et ça, moralement, si j'applique ma formule de développement limité, et je le fais très très vite, ça me fait du plus moins 1 sur n plus 1, moins 1 sur 2 fois 1 moins 1 sur n plus 1 au carré, plus petit o de 1 sur n plus 1 au carré. Et si on simplifie tout, il nous reste ceci. Qui est équivalent, vu que j'ai encore une fois écrit un seul terme plus son petit o, c'est équivalent à du moins 1 sur 2 n plus 1 au carré. Et n plus 1 au carré, maintenant, par produit d'équivalent, ça c'est bien équivalent quand n tend vers plus l'infini, à moins 1 sur 2 n carré. Donc ça, on l'avait vu. Ok. Alors, il y a le moins, on l'admet le moins, je ne vous ai pas encore parlé de série à termes négatifs, on en parle juste après, mais au pire, une série à termes négatifs ici, c'est moins une série à termes positifs, donc rien ne change sur les critères de convergence. Mais moralement, juste pour cette question-là, donc je rappelle que le membre de gauche, c'est un plus 1 moins un. Or, je vais vous l'écrire comme ça. Je vais vous l'écrire correctement, même si on n'a pas parlé de convergence absolue. J'en parle juste après. Sigma dUn, d1 sur n carré. Série de Riemann. Qui converge. Et valeur absolue de un plus 1 moins un équivalent à 1 sur 2n carré quand n tend vers plus l'infini. Par critère de comparaison, positif. Et c'est là où on admet un petit résultat, je vous l'explique juste après, mais c'est pas très très important. Si une série converge en valeur absolue, elle converge forcément. C'est juste ça, on l'a pas encore vu, pas encore dit, mais ça implique que sigma dun plus 1 moins un converge. Ok. Alors. Pourquoi est-ce que cet équivalent. Donc, pourquoi on fait des équivalents comme ça en 1 sur n carré ou ce genre de choses? C'est pour obtenir que la série des un plus 1 moins un converge. Une fois qu'on a ça, et ce sera toujours le genre de question qu'il y a au final, c'est en déduire la nature de sigma dvn. Enfin, en déduire la nature de sigma dvn, c'est ce qu'on vient de faire, pardon. Oula, je change de fenêtre comme il ne faut pas. Je dois remonter ici plutôt. La question finale est que. Un tend vers une limite finie L quand L appartient à R.
Donc il faut savoir faire ces dernières lignes. C'est le principal intérêt sur ces séries des termes sur cette série télescopique, c'est qu'il faut connaître non pas juste la propriété, mais plutôt en général la petite relation qui est là et savoir l'adapter. C'est-à-dire de ce résultat-là, on va réécrire or somme pour k égale 0 à n des uk plus 1 moins uk. Ça fait un moins u0. Ce qui est équivalent à ce que un, ça fasse u0 plus la somme pour k égale 0 à n des uk plus 1 moins uk. Et donc un tend quand n tend vers plus l'infini, bah vers u0 plus la somme pour k égale 0 à plus l'infini duk plus 1 moins uk. On ne connaît pas la valeur de la somme de cette série. Mais c'est pas grave. On sait que ça existe. Donc on sait que cette suite est convergente. Est-ce que ça va sur le lien entre cette série télescopique et cette suite qui converge? Oui. Oui, j'ai écrit un plus 1. Bon, il faut que j'aille jusqu'à n moins 1, pardon, merci. Je voulais juste aller vite sur le lien entre les deux. L'idée, c'est juste de dire que ça tend vers ça et que ça marche. Hein, mais oui. Ok. Deuxième exemple pour vous rappeler quelque chose. Je ne l'ai pas mis dans mon ordi, donc il faut que je mette ma partage de connexion. Hop. On va aller voir votre concours blanc. Bizarrement, dans votre concours blanc, vous aviez une quantité à trouver qui était équivalente à du 1 sur 12n carré ou un truc comme ça. Ne le propose pas ? Oui, c'est connecté tout seul. Bon. Hop. Zoom, exercice. Alors, hop, hop, hop. Alors, hop, on va reprendre juste ça. Mince, il ne me l'a pas ouvert dans ce que je veux. Alors, je vais reprendre les deux vraies questions. Enfin, question Q8, on s'en fiche, mais c'était ça la vraie question qui suivait. Je pense que n était supérieur ou égal à 1. Peut-être pas dans la maison, puis que. Puis que la suite un converge. Donc c'est vraiment le même type de raisonnement.
On a la série des 1 sur 12n carré. C'est vrai que je garde le 12, mais je suis pas obligé de le faire. Série de Riemann convergente. Ln de un plus 1 sur un. Alors comme il y avait un moins dans mes calculs, je vais remettre une valeur absolue. Cette valeur absolue, ça fait du ln de un plus 1. Ça, c'est juste une propriété de du ln, excusez-moi. Donc ça, c'est donc équivalent à 1 sur 12n carré, j'enlève le moins. Par critère. Alors j'ai mis comparaison à chaque fois. J'ai envie de faire du zèle. Vous avez le droit de l'écrire comme ça aussi. Hein. Par critère d'équivalence sur les séries à terme positif. Cette série-là converge. On l'admet encore, mais on va le voir juste après. Donc, sigma des ln de un plus 1 moins ln de un converge. Voilà pour la première étape de la question. On a bien montré que la série est convergente. Comment on en déduit que la suite un converge? C'est le même raisonnement qu'à l'instant, mais juste rajouté avec une petite couche. Ici, même s'il y a des ln, c'est une série télescopique. J'ai bien un terme d'ordre n plus 1 moins un terme d'ordre n. Donc, puisque c'est une série télescopique, il suffit de réécrire ce que ça veut dire en somme partielle. Si j'écris ça en somme partielle, je pense que dans cet exode, ça devait commencer à n égale 1. Par exemple, la somme pour n égale 1 à grand n, alors on va plutôt équilibrer comme il faut, on va mettre du grand n moins 1. Des ln de un plus 1 moins ln de un. Ça fait du, par somme télescopique, ça fait du ln de u grand n moins ln de u1. Ce qui est équivalent à ce que ln de un soit égal à ln de u1. Et ce qui tend quand grand n tend vers plus l'infini. Ouais, peut-être que je compose par exponentielle avant, excusez-moi. C'est un u grand n. On recopie le même terme derrière, hein, j'ai pas envie de m'embêter. Qui tend quand grand n tend vers plus l'infini. Vers exponentielle de ln de u1, et là ça devient la somme infinie, donc la somme de la série. Et imaginez que par un moyen quelconque on est capable de calculer la somme de la série, ben on connaîtra la valeur finale de la suite un. Mais donc c'est pour ça que dans votre concours blanc j'ai été obligé de vous dire, on admet que montrer que la suite Sn converge permet de montrer que la suite un derrière converge. Cette partie-là, j'ai dû vous la faire admettre parce que c'était lié au lien entre série et suite. Est-ce que ça va sur ce petit raisonnement classique? C'est vraiment un truc classique de ce chapitre qu'il faudra maîtriser. Si on vous fait un équivalent moralement avec une différence et que c'est une série convergente, le but c'est de dire que la série télescopique converge, donc que la suite converge. C'est plus dans ce sens-là qu'on l'utilise que dans l'autre. Beaucoup plus dans ce sens-là que dans l'autre. Et c'est d'ailleurs une des utilités des séries. Ok. Avançons sur le cours, du coup. Il nous reste deux gros points fondamentaux de cours à parler. On va en tacler un tout de suite. Alors. On va tacler très très vite ce que je viens de vous expliquer en rajoutant un mot de vocabulaire.
c'est tout simplement... Mais c'est normal en fait que j'ai pas de place, parce que pourquoi c'est pas en plein écran cette chose? Si une série n'est pas à terme positif, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui va se passer? Si une série n'est pas à terme positif, plusieurs choses. La définition de la convergence d'une série, je vous ai dit depuis le début, sigma des UN convergent, c'est équivalent à ce que la suite SN des sommes partielles, avec SN qui est la somme pour K égale 0 à N des UK, c'est équivalent à ce que la suite SN converge. Cette définition, je ne l'ai pas faite pour... Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Je suis fatigué, ça va pas. Cette définition est toujours vraie, c'est-à-dire qu'une série est convergente, c'est si vous arrivez à montrer que la somme partielle a une limite finie, si vous êtes capable de me calculer la somme, vous m'avez prouvé que la série converge. Pas besoin de passer en valeur absolue, etc. Par contre, on n'a pas de critères de comparaison, d'équivalence, de petit taux, de ce genre de choses sur les séries qui ne sont pas à terme positif. Donc, si on ne veut pas calculer la somme de la série, mais si on veut juste montrer qu'elle est convergente, on ne peut pas utiliser de critères sur les séries qui ne sont pas à terme positif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la série en valeur absolue. Et si la série des valeurs absolues converge, la série des valeurs absolues est bien une série L à terme positif, on a tous nos résultats de cours qu'on peut utiliser, on va dire que la série de base converge absolument. On n'a pas vérifié que la série normale était convergente, on a vérifié que la série en valeur absolue est convergente. Donc ça, c'est la définition. On va dire qu'une série converge absolument si la série des valeurs absolues converge. C'est la définition qui est en bleu là-haut. Et en fait, ce que je vous ai utilisé juste avant sans le dire, c'est cette propriété-là. Donc quand ça converge absolument... on dit que la série CVA pour converge absolument, c'est la petite propriété qui est là, c'est que si une série converge absolument, alors forcément, elle converge. Et c'est une implication. Parce qu'une série, justement à cause de la définition qui est toujours vraie ici, une série peut converger sans être absolument convergente. Et on sait déjà le faire. Je vais vous donner un exemple très bête. Attention. Donc par rapport à la propriété 6, attention, la réciproque est fausse. C'est d'ailleurs pour ça que c'est écrit sous forme d'implication. Et on va juste considérer un truc très très bête. On va considérer un, c'est moins 1 puissance n sur n. Alors, très facile. Si j'essaye de regarder la convergence absolue en premier, un, valeur absolue de un, c'est valeur absolue de moins 1 puissance n sur n. Ça fait quoi la valeur absolue de moins 1 puissance n sur n? Oui, ça fait du 1 sur n, il n'y a rien de très méchant. Série de Riemann. On est dans le cas alpha égale 1. C'est une série de Riemann qui diverge. Je rappelle le vrai raisonnement. Hein. Pour vérifier si... si on a pour vérifier que la réciproque n'est pas fausse, si B implique A, je vais essayer de trouver je vais juste trouver un contre-exemple, qui montre que je peux avoir B et ne pas avoir A. Donc là, je viens de montrer que je peux pas avoir A. J'ai pas la convergence absolue de la série. Au niveau de la convergence, on va revenir à la somme partielle parce que je vous ai dit, on n'a aucun résultat de convergence sur les séries qui ne sont pas à terme positif. Donc je vais plutôt considérer la somme partielle SN qui serait cette somme-là. Et si j'essaye de vous faire montrer que la suite SN converge, est-ce que quelqu'un voit une méthode pour le faire? On l'a déjà fait. C'est un vieux résultat sur les suites maintenant.
Comment je peux montrer que cette suite SN converge? Auxence? Ouais, et qu'est-ce qu'on fait avec la somme des paires et la somme des impairs? On va montrer que ce sont deux suites qui sont adjacentes. C'est ça l'idée. Je vais peut-être pas forcément le refaire parce que c'est on l'a déjà fait et il faut savoir le faire. Mais en fait, ce qu'on peut montrer pour la suite SN, c'est on peut montrer que S2N Alors, il y aurait des questions intermédiaires pour vous guider, hein. C'est juste là pour vous montrer, mais on montre que S2N et S2N plus 1 sont adjacentes, ce qui implique en 2 que S2N tend vers L quand n tend vers plus l'infini et S2N plus 1 tend vers L quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est le théorème des suites adjacentes. Ce qui implique d'un troisième point que tout simplement la suite SN tend vers L quand N tend vers plus l'infini, c'est justement la séparation en termes pair-impair d'une suite. Donc avec une telle suite qu'on appelle, alors il y a un théorème, hein, mais vous, il est hors programme pour vous, ce type de série-là avec un moins 1 puissance k et une fonction décroissante qui multiplie moins 1 puissance k, on avait fait une question de cours avec juste n'importe quelle fonction décroissante, on avait montré que les séries que les suites étaient adjacentes, quelle que soit la fonction décroissante. Ici c'est la fonction décroissante 1 sur k, c'est ce qu'on appelle des séries alternées en fait. Et les séries alternées, du moment que la fonction phi elle est décroissante, les séries alternées convergent toutes. Mais si elles convergent, elles ne convergent pas forcément en valeur absolue. Donc on a bien implication, convergence absolue implique convergence. Par contre, il y a des séries qui convergent mais qui ne convergent pas absolument. Attention à ça. Ok. Bon, moralement, ce qui va nous arriver à nous, c'est que si on n'a pas une série à terme positif, on va passer en valeur absolue et c'est tout ce qui va se passer. Je remonte quand même parce qu'il y a une troisième propriété de cours dont on ne se servira jamais. Parce que je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté ce point-là dans le cours, parce qu'on va toujours revenir plutôt aux valeurs absolues. Si on arrive à montrer qu'une suite qui n'est pas Vn qui n'est pas forcément à terme positif est négligeable devant une série à terme positif, et si la série de termes général Vn converge, alors on peut conclure que la série de termes général Un converge. Je vous assure que cette propriété 7, on s'en servira jamais, parce que dès que vous allez avoir une série qui n'est pas à terme positif, on va passer en valeur absolue et on va refaire de la convergence absolue. Donc cette, elle est au programme, je vous l'ai mise, on en a parlé, on s'en servira jamais. Ok. Bon, voilà, finissons le cours. Et après, on pourra faire tous les exercices de la Terre. Depuis vendredi, on fait des exercices sur montrer la nature d'une série. Il y a une deuxième type de question qui va venir pour vous, qui va être calculer des sommes de séries, calculer la valeur de la limite de la somme. Pour ça, on a besoin d'avoir deux résultats en plus qui sont des séries de référence dont il faut connaître les sommes. Et on n'a que deux séries... Ah non, j'ai dit deux, il y en a quatre. Oula. Oui, c'est parce que la troisième et la quatrième, on s'en servira une fois qu'on fera des probas. On s'en servira pas trop avant. Mais moralement, on a quatre séries de références qu'il va falloir apprendre pour pouvoir calculer des sommes de séries. Alors, on va commencer par la deuxième. Parce qu'on la connaît déjà. On sait déjà que la somme pour n égale 0 à grand n des x puissance n, ça c'est la somme d'une suite géométrique.
Vous devez savoir que c'est du 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Or, ce terme-là tend vers 0 maintenant, on en a déjà parlé, ce terme-là tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, si et seulement si la valeur absolue de x est plus petite que 1. Ce qui est équivalent à dire qu'il faut que x appartienne à l'intervalle moins 1, 1. D'où le petit quantificateur qui arrive ici. Si x est entre moins 1 et 1, ce terme-là tend vers 0, cette somme, elle tend, quand grand n tend vers plus l'infini, du coup, vers 1 sur 1 moins x. C'est ce qu'on appelle la somme de la série géométrique. C'est votre formule de la somme géométrique, sauf qu'on a fait tendre grand n vers plus l'infini. C'est vraiment la plus simple à apprendre. Il n'y a pas grand-chose là-dessus à savoir. Alors, il faut la connaître. La deuxième qu'on va beaucoup utiliser, La deuxième qu'on va beaucoup utiliser tout de suite, c'est celle-ci. Celle-ci, on l'a déjà vue aussi. À l'époque du chapitre sur les développements limités et la formule de Taylor. En fait, je vous rappelle juste un truc, exponentielle x, si j'applique la formule de Taylor, allons-y, Taylor reste intégral si on veut, allez. Ça fait la somme pour k égale 0 à n des exponentielles dérivées km pris en 0 divisé par k factoriel fois x puissance k plus intégrale de 0 à x des x moins t puissance n sur n factoriel exponentielle dérivée n plus une fois, ce qui fait la même chose exponentielle de t dt. C'est ça que donne la formule de Taylor appliquée. Tiens, ça va me permettre de faire quelque chose et de rappeler le dernier chapitre sur la majoration des intégrales. Ce qui implique que je peux écrire que l'exponentielle x est égal. Bah, ça fait ceci. Donc ceci, si je remonte un tout petit peu ma propriété. Ceci, j'ai pas fini d'écrire ma ligne, hein, mais ça c'est bien la somme partielle de la série qui est là-haut, vous êtes d'accord? Puisque ça c'est égal à ça plus cette intégrale là, et que cette intégrale là c'est ce qu'on appelle le reste. Dans la formule de Taylor, si on montre que le reste tend vers 0, vous êtes bien d'accord que ça prouve que cette somme tend vers exponentielle x, et donc que la série est convergente. Montrons que le reste tend vers 0. Ok. Je passe en valeur absolue pour essayer de majorer cette intégrale vu qu'elle est théorique. Si on veut. Si vous avez compris mon principe de la semaine dernière, comment on majore l'intégrale de la valeur absolue? Par la valeur absolue de l'intégrale. Le produit des valeurs absolues, ça fait ça. N factoriel, c'est positif, j'ai pas besoin de signe. Exponentielle, c'est positif, j'ai pas besoin de signe. En fait, x moins t aussi, c'est forcément positif vu que t est entre 0 et x. Donc ça, j'ai même plus besoin de la moindre valeur absolue. En fait, c'était bien une intégrale positive, ça. Comment je continue à la calculer? Bah, je vais la majorer, cette intégrale, par amorce. Exponentielle t, vu que t est compris entre 0 et x.
Exponentielle t, c'est compris entre 0 et exponentielle x. Le n factoriel, je peux le sortir de l'intégrale. Donc mon intégrale, elle est plus petite que 1 sur n factoriel, intégrale de 0 à x de x moins t puissance n, exponentielle x dt, dt. Je peux donc sortir mon exponentielle x aussi. Je vous assure qu'on peut primitiver le x moins t puissance n dt. Si vous avez du mal à le voir, moi je vais juste faire un petit calcul. Je vais poser u qui vaut x moins t dans mon intégrale. Je vais faire un changement de variable. Ça me fait du du qui fait du moins dt. Et j'ai un petit changement de borne à faire, mais ça va pas être très compliqué. Cette intégrale, ça devient, si je reprends ici, exponentielle x sur n factoriel. Et je me retrouve avec l'intégrale. Bah forcément... Quand t vaut 0, je vais me retrouver avec l'intégrale de x à 0 de u puissance n fois moins du. Ce qui fait exponentielle x sur n factoriel intégrale de 0 à x de u puissance n du, si j'enlève le moins et que je retourne les bornes. Cette intégrale-là, elle se calcule en exponentielle x sur... u puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel sur n plus 1, pardon. Si je résume, ça fait ça. Et je viens juste de vous faire sur cet exemple-là, mais un petit calcul. Sur quoi je viens de tomber à la fin? C'est quoi ce nombre exponentiel x, x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel? Je peux même vous le réécrire comme ça. C'est quoi ce nombre-là que je viens de trouver? Matisse? Ouais. En fait, obtenir l'inégalité de Taylor-Lagrange, d'un point de vue théorique, je ne vous l'ai pas fait à l'époque, mais ça revient juste à contrôler l'intégrale de la formule de Taylor reste intégrale. L'inégalité de Taylor-Lagrange, ce n'est que contrôler l'intégrale de Taylor reste intégrale. Si vous savez contrôler l'intégrale dans la formule de Taylor reste intégrale, vous obtenez l'inégalité de Taylor-Lagrange, au cas par cas s'il faut. Mais moralement, ce terme-là, clairement, quand n tend R plus l'infini, par croissance comparée, vu que j'ai une factorielle et une puissance, ça tend quand n tend R plus l'infini vers 0. Donc j'ai bien que la série exponentielle, exponentielle x, c'est la série, ça devient exponentielle x, ça devient la somme pour n égale 0 à plus l'infini, dx puissance n sur n factoriel. Alors ça, c'est vraiment une nouvelle somme de référence. On ne l'avait pas en somme partielle et il va falloir apprendre à la reconnaître. Qu'est-ce que je veux dire par la reconnaître? Pour le moment, les sommes de référence qu'on avait, c'était somme des k carrés. On avait la somme des x puissance n avec la somme de la géométrique et on l'a toujours avec une série. Si maintenant, je vous demande de me calculer une limite de somme et que dans le calcul de la somme, il y a des factoriels, parce que ce qui est la nouveauté de cette série, et c'est ça qu'il faut repérer, c'est parce qu'il y a du factoriel dedans. Il faut forcément essayer de faire apparaître la série de l'exponentielle. Et dernière chose sur cette somme, regardez bien votre poly, mais comme toute somme de référence, il faut apprendre avec les bornes. Cette somme de l'exponentielle, elle commence à n égale 0. Allons-y. Faisons un calcul de somme et montrons, tiens, le genre de question que pourrait être une question où on ne va pas appliquer les méthodes classiques qu'on a vues depuis le début de, enfin depuis vendredi.
Alors, il doit être quelque part dans un des exos du poly, mais ça, j'ai dû marquer dans les exos du poly que calculer la somme. Je vous ai rajouté le début de la question pour vous faire penser à quelque chose. Et ça, il faut le savoir. Ce genre de question est classique. Est-ce que je vais aller me comparer à Riemann pour cette question? Est-ce que je vais aller me comparer à une série de Riemann pour faire cette question? Une série est convergente si et seulement si sa somme partielle a une limite finie. Ici, on me demande de calculer la somme de la série. Si je veux calculer la somme de la série, je suis obligé de faire la limite de la somme partielle. Donc, puisque je vais faire la limite de la somme partielle, je vais retomber sur la définition de ce que c'est qu'une série convergente. Donc si la question n'est pas juste déterminer la nature de la série ou montrer que la série converge, mais si la question c'est montrer que la série converge et calculer sa somme, vous ne vous comparez pas à Riemann pour ce genre de question. Vous essayez de me calculer la somme partielle et de faire tendre la limite de la somme partielle vers une limite finie. C'était pour vous expliquer ça. Donc ici c'est ce qu'on va faire. La somme partielle, si je l'appelle Sn, avec un grand N si on veut. Oh, j'ai mis une somme avec de la factorielle. Je viens de vous dire clairement qu'il faut que j'arrive à faire apparaître la série de l'exponentielle. Problème, la série de l'exponentielle, pour moi, c'est du x puissance n sur n factoriel. J'ai à peu près ça, hein. J'ai du 4 puissance n et j'ai de la factorielle en bas. Sauf que j'ai un problème, j'ai du n plus 1 factoriel et du puissance n en haut. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites sur ce calcul de somme? Hugo? J'écris ce que Hugo me dit. Hein. Alors voilà l'idée de Hugo, qui est une idée que je pense que par laquelle vous devez passer. Mais instantanément, voilà, tu dois te rétracter parce que le n plus 1 n'a pas le droit de sortir de la somme. Donc c'est tout à fait vrai, mais est-ce que ça a fait avancer de quoi que ce soit le problème? C'est tout à fait vrai, mais ça ne permet pas d'avancer. Noix? Oui, il n'y a pas le choix. En fait, vous n'avez pas de propriété qui va vous permettre de faire quoi que ce soit sur ce n plus 1 factoriel. Donc ce n plus 1 factoriel, moi je veux le réécrire avec une autre lettre, je vais l'écrire, je sais pas, k factoriel. Donc il n'y a pas trop le choix. Parce qu'on n'a pas de propriété pour pouvoir sortir des règles de la factorielle, oui? Est-ce qu'on aurait pu multiplier par n factoriel en haut et en bas? Comme ça, en bas, on a du n plus 1 factoriel fois n factoriel, donc c'est un peu plus petit. C'est un produit, pourquoi tu aurais une somme télescopique? Je comprends pas la logique, Yanis, parce que là, tu me fais apparaître des choses en produit. Tu me fais apparaître des choses en produit sur une somme, il n'y a pas de règle de produit télescopique sur les sommes. Il y a un truc qui va pas. La seule idée raisonnable pour moi, c'est on pose k qui vaut n plus 1. Je vois pas comment vous faites autrement. Ceci, ça va devenir la somme pour k égale 1 à grand n plus 1. Alors je vous le rappelle, hein, quand on fait un décalage d'indice, si k vaut n plus 1, n il vaut forcément k moins 1. Donc ici ça fait du k moins 1 là-haut. Et ça devient du k factoriel. Mince, nouveau problème, je suis quand même décalé, j'ai du 4 puissance k moins 1. Sauf que ça, c'est beaucoup moins problématique. Pourquoi, Hugo? Oui, alors je vais même plutôt l'écrire en deux temps, c'est juste parce que 4 puissance k moins 1, c'est 4 puissance k fois 4 puissance moins 1, tout simplement, hein. Donc ça, je peux sortir le 4 puissance moins 1 de la somme. Et ça fait ceci.
Le 4 puissance moins 1, il va devenir à 1 quart. Il y a un petit dernier problème. On a retrouvé le terme général de la série de l'exponentielle ici. Mais un petit dernier problème, Mathéo. Oui, cette somme, elle commence pas à l'indice où on veut pour faire apparaître la somme de la géométrique. De l'exponentielle, il faut que ça commence à k égale 0. Donc il faudra ajouter et enlever le terme pour k égale 0. Donc ça. Bah, si j'ajoute le terme pour k égale 0, il faut bien que je le retranche. Ça donne donc que cette somme vaut 1 quart. Je me retrouve avec la somme pour k égale 0 à n plus 1 des 4 puissance k sur k factoriel moins 1. Et ça, ça tend quand grand n tend vers plus l'infini. Et en fait, la série qu'on a fait apparaître, c'est juste le nombre exponentiel de 4. Donc ça fait 1 quart de exponentiel de 4 moins 1. Voilà le nouveau genre de calcul qu'on peut vous demander. C'est-à-dire que vous calculez le somme d'une série, notamment le genre de série comme ça. Ça, c'est vraiment assez classique. Vous allez tomber sur des séries un tout petit peu différentes, un tout petit peu modifiées de somme de référence. Et il faut savoir mener ce genre de choses. Alors, hop, ah mince, j'ai réécrit ça entre deux. Redescendons. Alors, regardons les deux autres. Alors, je vous réécris juste au-dessus ce qu'on avait écrit. Ce qu'on avait écrit au-dessus, c'est ça. Et ce qu'on avait calculé, c'était la somme de ce qu'on appelle la série géométrique. C'est quoi ça par rapport à la somme d'avant ? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On a dérivé. En fait, ça, la somme en plus, c'est ce qu'on appelle la somme de la série dérivée. Qu'est-ce qu'on a fait pour passer de là à là? On a dérivé. C'est la somme de la série dérivée seconde. Ou la dérivée seconde de la somme de la série géométrique. Alors attention, hein, c'est un truc à retenir pour retrouver les formules. Il suffit de connaître la somme de la géométrique et de les dériver pour retrouver les formules. Attention quand même, il y a une petite subtilité. Oui, on perd un terme à chaque fois. Dans cette somme de la géométrique, moralement, il y a du x puissance 0 plus x puissance... qu'est-ce qui se passe ? Cette somme-là, c'est celle-ci. Je rappelle que x puissance 0, ça fait 1. Pourquoi ça fait du gris autour? Ah, j'ai coché ça. Non.
Ok. Ça fait 1 quand on dérive 1. La dérivée de ce terme-là va faire 0. Donc à chaque fois qu'on dérive, on perd un terme dans la somme. Ce qui fait qu'il faut savoir que les indices commencent à n égale 1 puis à n égale 2. Mais ces séries-là, il faut aussi savoir les calculer. On pourrait continuer, vous n'avez pas à les connaître. Pourquoi on vous fait apprendre les trois premières? Parce qu'on va avoir deux nouvelles variables aléatoires de référence en proba infini et que ces séries-là sont nécessaires pour calculer l'espérance et la variance des variables associées. C'est juste pour ça qu'ils sont de référence. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on pourrait continuer et faire la dérivée troisième, la dérivée quatrième. Elles sont juste pas officiellement au programme. Mais ça marche tout le temps. Alors attention, c'est pas parce que ça marche d'un seul... C'est juste pas possible, vous parlez plus fort que moi. C'est pas parce que ça marche ici que ça marche pour n'importe quelle série. Il faudrait faire une preuve. J'ai pas envie de passer une demi-heure à faire la preuve, mais je peux vous expliquer le concept. Le concept, il est assez simple, c'est on écrit la formule à n fixé, on dérive la formule à n fixé et on montre que la limite marche à chaque fois. C'est juste ça le principe. Donc si je veux le faire ici, par exemple, si je veux prouver cette formule-là, bah, ce que je fais, c'est juste j'écris f de x, je vais partir de cette somme-là, dx puissance k. Je sais que ça vaut d'un côté 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Ce que je vais faire, c'est donc je sais que ça va me donner que f prime de x d'un côté, je vais pouvoir l'écrire comme la somme. Alors j'écris direct de k égale 1 à n des kx puissance k moins 1. J'enlève le terme pour k égale 0. De l'autre côté de cette somme, bah, je vais plutôt la séparer en deux morceaux. Je me retrouve avec un morceau en 1 sur 1 moins x, moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Si je dérive ce terme-là, la dérivée de 1 sur 1 moins x, ça va me donner mon fameux 1 sur 1 moins x, le tout au carré, qui est la somme que je veux trouver là au-dessus. Et la dérivée de l'autre terme, bah, c'est la dérivée d'un quotient, donc ça me fait du u prime. Donc du n plus 1 x puissance n fois 1 moins x moins uv prime sur v carré. Et dans cette somme-là, je détaille pas trop, mais dans cette somme-là, je peux mettre x puissance n en facteur. Ça va me faire du x puissance n sur 1 moins x au carré. Et si je mets du x puissance n au carré, il va me rester du n plus 1 en termes en x, c'est tout ce que j'ai, et du moins nx. J'ai fait les calculs très rapidement. Ce qui m'intéresse juste, c'est que par croissance comparée, si x est compris entre moins 1 et 1, ceci tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors attention, oui, ceci tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Mais je rappelle que la suite géométrique va plus vite que les puissances. Donc par croissance comparée, tout ça tend vers 0 par croissance comparée. Donc j'ai bien au final, si ce terme-là tend vers 0, j'ai bien que la somme infinie du membre de gauche... ça devient la somme qui est ici. Donc c'est ça l'idée de la preuve, et il faudrait la refaire pour la dérivée seconde, etc., etc., etc. C'est un tout petit peu technique, mais ça marche. Oui, Noa ? Non, là tu vas trop vite parce qu'il faudrait, on peut pas en déduire une formule de récurrence. Il faudrait dériver terme à terme parce que justement quand tu vas dériver ça, attention, il y a le 3 qui va apparaître, ça te fait du moins 6 sur 1 moins x4. Enfin c'est juste... Alors...
Si, il y a une formule, enfin. Vous n'avez pas à le savoir. Mais, si je vous donne une série qui s'écrit n'importe comment, qui s'écrit comme ça, et que j'appelle cette fonction f de x, et que je sais qu'elle converge pour x dans un domaine i, on s'en fiche. Mais ça, c'est pas du tout au chapitre, au programme des EC. Ceci, c'est ce qu'on appelle une série. Nous, on fait les séries numériques, c'est ce qu'on appelle une série entière. C'est-à-dire une série entière, c'est juste un, en fait, c'est une somme infinie de polynômes. C'est une généralisation de la notion de polynôme. C'est un polynôme, sauf qu'il va de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, en fait, si une série est convergente, une série entière est convergente, on sait instantanément que toutes ses dérivées sont convergentes et que, moralement, si je dérive n fois la fonction x puissance n, si je fais la dérivée nème de ça puis en x et que je fais la somme pour n positif de la dérivée nème de ça, bah ça c'est la dérivée nème de ma fonction. On a cette relation-là. Donc il y a cette relation de récurrence. Enfin, la formule de récurrence, il faut la faire au cas par cas sur les questions qu'on a. Mais ça, c'est un cours sur les séries entières qu'on n'a pas nous. Ah, mais si on avait, mais ça, c'est vrai que si vous voyez des x puissance n et n'importe quel que soit le coefficient devant, ils vont vous refaire prouver à la main que la série des dérivées va converger et que on a bien que la somme de la dérivée va marcher. Ou à l'inverse, et on peut faire un exo là-dessus tout de suite, que la série des primitives va marcher en allant dans l'autre sens. Typiquement. C'est peut-être l'exo le plus classique de série qu'il faut savoir faire, si je veux parler de grand classique sur les séries. Il est où? Ben, je l'ai mis où? Je l'ai pas mis dans ma feuille d'exo. Ah, c'est parce que je vous ai pas encore imprimé la feuille d'exo, il est dans la feuille d'exo. Ah non, je ne l'ai pas mis ici. Bah allons chercher le sujet, hein, c'est pas grave. Ma feuille d'exo, je ne l'ai pas. Alors, bon, c'est de piètre qualité. Forcément, c'est du majeur prépa. Regardez juste ce qui m'intéresse. Ah non, c'est pas assez bon qualité, c'est pas d'assez bonne qualité. Il faut que je trouve, le texte brut. Zoom. Ah bah c'est 2021, ils doivent y être sur le site de la BCE, voilà. Oh, j'étais pas au courant ça. Ils ont pondu. Ils n'ont même pas annoncé sur la PHEC. Ils nous ont pondu un sujet 0 2023 ESSEC HEC. Pour maths appliquées seulement. Quelle bande de. Mais il doit y avoir la même chose pour maths approfondies. Je vais aller voir. Ah, je peux vous dire que je sais ce que je fais ce midi. Mais j'ai vos copies de cours blanc. Mince. Ça c'est le rapport. Ah. Bon, je vous le fais faire cet après-midi parce que là je vais perdre du temps à rien. On va en faire un autre, mais c'est un autre truc classique. Il est où?
Ce truc-là aussi, il est classique, faut qu'on sache le faire. D'ailleurs, dès que je vous ai fait les équivalents, on l'a pas fait, mais on aurait pu le faire, cette question-là. Elle a rien à voir avec le chapitre sur les séries. Les questions du chapitre sur les séries, c'est plutôt les questions 2. Mais la question 1, on aurait déjà pu le faire. Montrer que pour n au voisinage de plus l'infini, r parmi n, c'est équivalent à du n puissance r sur r factoriel. Je veux un équivalent de cette quantité-là. Comment vous faites ? On repart à la définition, j'ai pas d'autre solution. On fait du n factoriel sur r factoriel, n moins r factoriel. Alors je vois que dans mon équivalent de référence qu'ils veulent me faire faire, moralement j'ai du 1 sur r factoriel, enfin je vais l'écrire en deux termes, mais il y a du 1 sur r factoriel et il y a un terme en n puissance r. Donc de cette formule-là, je vais séparer le 1 sur r factoriel et je vais laisser derrière ce terme-là. Et moralement, ma question est revenue à est-ce que ce terme-là, il faut arriver à montrer que ce terme-là est équivalent à n puissance r. Comment je fais ? C'est quelque chose qu'on fait peu dans ce sens-là. Mais qu'il faut penser à faire. Ce quotient de factoriel, c'est un produit en fait. Si je peux le faire en deux temps si vous le voyez mal, mais ça c'est n fois n moins 1. Je vais aller écrire fois n moins r plus fois n moins r moins 1 fois 1. Et en bas, c'est du n moins r, facteur de n moins r moins 1, fois 1. Donc il y a clairement des simplifications. Ce terme-là se simplifie avec ce terme-là, ce terme-là avec ce terme-là, etc., etc. Donc j'ai une question. Qu'est-ce qui me reste en haut ? Il me reste du n fois n moins 1 fois 3 petits points. Et je vais jusqu'à quel terme en dernier ? Martin ? Oui, parfait, Martin, c'est du n moins r plus 1. Et j'ai une autre question. Il y a combien de parenthèses ? Il y a combien de termes ? En comptant que ça, c'est une parenthèse, le n tout seul. Ouais, il y a r termes. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là ? Bah, si vous avez compris ça, on a quasiment fini. Dans chacune des parenthèses, qui est le terme dominant ? N. Donc dans chacune des parenthèses, je vais factoriser par Marie et Ismaël. Si vous voulez sortir de ma salle, il n'y a aucun souci. Alors ça dépend comment vous voulez l'écrire, mais si vous voulez l'écrire de façon assez systématique, c'est du n moins r plus 1, donc si je factorise par n, si je veux l'écrire comme un seul terme, c'est du moins r moins 1 sur n. Bon, attention à ça, mais c'est pas très très important. Ce qui fait que c'est du 1 sur r factoriel fois du n puissance r, vu qu'il y avait r terme, et après j'ai du 1 moins 1 sur n. Fois, je ne l'ai pas écrit, mais il y aurait du 1 moins 2 sur n fois le nombre r étant fixé, ça c'est clairement équivalent quand n tend vers plus l'infini à 1 sur r factoriel r n puissance r. Bah ça tend vers 1, ça tend vers 1 et toutes les parenthèses tendent vers 1. Donc ça fait bien du n puissance r sur r factoriel. Cet équivalent-là, il est demandé de temps en temps.
Je dirais que ça c'est demandé tous les 3-4 ans, cet équivalent-là. Faut savoir le faire. C'est pas un truc très très dur. Il faut savoir le faire. Ok. On fait 2A et 2B. Et après on arrêtera là pour ce matin, on aura bien bossé. 2A et 2B, c'est déterminer la valeur de la limite de n puissance r plus 2 x puissance n. Et R est un nombre positif. Quelle est la limite de ce truc-là? Noir? 0 par... C'est de la croissance comparée. On compare encore une fois une puissance à une série, à une suite géométrique. Donc c'est forcément la suite géométrique qui l'emporte, puisque x est entre 0 et 1, la suite géométrique tend vers 0. Donc la limite de ce truc-là, c'est 0 par croissance comparée. Qu'est-ce qui nous... Donc cette question-là, c'était, je la trouve non nécessaire, moi, mais ok. Mince. C'était où? C'était là-haut. En déduire que la série de termes général n, r parmi n, x puissance n est convergente. Ou 2b plutôt. Comment on fait? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à nous faire faire? Ou qu'est-ce que... Mathéo? Alors, si on utilise l'équivalent d'avant, on va déjà écrire ça. R parmi n, x puissance n, c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à du n puissance r x puissance n sur r factoriel. À quoi sert la limite de la question de A dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il cherche à nous faire faire avec la question de A? C'est pour ça que je n'aime pas cette question, parce qu'en fait elle vous fait faire quelque chose qu'on fait naturellement, mais comme c'est guidé, ça vous gêne plus qu'autre chose. Donc ça, on a l'équivalent de notre quantité. Et on sait que ça tend vers 0. Mais pour montrer qu'une série converge, je vous rappelle, il ne suffit pas de prouver que le terme général tend vers 0. Il faut montrer qu'il tend vers 0 vite. Donc comment on fait pour montrer qu'il tend vers 0 vite? Déjà, est-ce que ce terme général va vers 0 vite? J'ai une puissance qui va vers l'infini, et je multiplie ça par, moralement, une suite géométrique, donc une exponentielle qui va vers 0. Globalement, ça va vite, donc elle va être convergente. De toute façon, la question, c'est de montrer que ça converge. Donc c'est que ça doit aller vers 0 vite. Est-ce qu'on voit vraiment à quelle vitesse ça va vers 0? Non. Moi, ce que je vous ferais faire, du coup, si on ne le sait pas, c'est que j'aurais plutôt divisé ça par 1 sur n puissance alpha. Ce qui aurait divisé l'équivalent par 1 sur n puissance alpha, ce qui nous aurait fait ça comme équivalent final. Est-ce que maintenant vous voyez où ils veulent en venir avec leur R plus 2? Bah, ce qu'ils nous ont fait trouver, c'est la limite de ce truc-là, mais dans le cas particulier, alpha égale 2. Ça, ça tend clairement quand alpha vaut 2 vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ce qui permet de voir que donc... R parmi n, x puissance n, est un petit taux de 1 sur n carré, vu qu'on a fixé alpha à 2. Série de Riemann
convergente. Et là, ça devient classique par critère de comparaison sur les séries à terme général positif. La série converge. Donc vous voyez, ce R plus 2 X puissance N, c'était vous faire la méthode générale pour voir quelle va être la limite, mais avec le cas particulier de alpha égale 2 qui vous était poussé. Et je vous avais dit que quand ça converge, on utilisera souvent alpha égale 2 pour justifier de la convergence. On arrête là pour ce matin. Vous avez tout, oui ça va. On continue l'exercice qu'on était en train de faire ce matin, on le finit celui-là. Donc la question 1 c'était une question un peu technique intermédiaire. La question 2 c'est ce qui permet d'assurer la convergence de la série. Là on attaque la question 3, c'est du calcul de somme. Alors, donc puisque la série de termes général ça converge, on peut définir le réel SR qui vaut la somme pour n égale r à plus l'infini des r parmi n x puissance n. Il nous demande la valeur de S0. 3A. Donc on vous demande la somme pour n égale 0 à plus l'infini. C'est R qui vaut 0, excusez-moi. Donc c'est la somme pour, bah si, pour N égale 0 des 0 parmi N X puissance N. 0 parmi N ça fait 1, ils demandent donc la somme de 0, de 0 à N des X puissance N. Je rappelle que X appartient à 0, 1. Donc ça c'est la série qu'on a vue ce matin, c'est la série géométrique. Sa somme ça fait... Ouais, j'ai entendu Ethan, c'est du 1 sur 1 moins x, tout à fait d'accord. 3b. Oui. Je vérifie. Oui, depuis 2 minutes. Hop. Oui, je suis bête, je le voyais là en plus. Donc pour ensuite... établir en utilisant la formule du triangle de Pascal que 1 moins x fois SR plus 1, ça fait XSR. Alors qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire là? On va déjà essayer d'écrire ce qu'ils veulent et à un moment on verra que le triangle de Pascal arrive naturellement. Alors, il nous faut calculer ce que c'est que 1 moins x SR plus 1. Donc ça c'est du 1 moins x. SR plus 1, ça fait donc la somme pour n égale r plus 1 à plus l'infini des r parmi n x puissance n. Ça, c'est le calcul officiel. Alors, soyons clairs, ce qu'on va devoir faire, c'est faire des décalages d'indices et ce genre de choses. Exactement comme ce que j'ai déjà dit sur les intégrales impropres, il est interdit de faire du décalage d'indices, de faire des formules sur des sommes infinies. On n'a pas de règle là-dessus, on n'a pas de convergence, oui. C'est un R plus 1. Si, c'est moi, j'ai été trop vite. C'est un R plus 1, merci Théo. Je voulais tellement dire qu'on ne va pas pouvoir faire de méthode et de calcul là-dessus, qu'on va devoir faire des décalages d'indices. Donc, on va devoir se donner une notation à la place. Parce que typiquement, là, pour pouvoir retomber sur du SR, il va falloir transformer justement le R plus 1 qui est là en R. Donc, on va devoir faire...
des petits travaux là-dessus et puis décaler d'autres choses parce que l'autre somme commence à R. Donc on a des petits problèmes avec ça. Chaque fois que vous avez du calcul technique à faire sur une somme de série, même si vous avez déjà la convergence comme c'est le cas ici, on va revenir à des sommes finies et ensuite refaire tendre la borne du haut vers plus l'infini, un peu comme on le fait avec la borne epsilon pour les intégrales faussement impropres. Donc ici on va poser en fait SR plus 1 grand N, ça va être la somme pour petit n égale R à grand N, on va se donner une borne du haut, de R parmi N x puissance N. Et ce qu'on va calculer nous maintenant du coup c'est 1 moins X SR plus 1 indice grand N. Ça maintenant ça devient une somme finie. On peut séparer les sigma, faire des décalages d'indices, on n'a à réfléchir à rien du tout sur cette somme là. Donc la première chose que vous ferez là-dessus, le but c'est d'obtenir quelque chose, c'est d'obtenir que ça, je ne sais même plus le résultat qu'on veut, ça va faire du x fois SR. La première chose que je ferai moi, c'est pour essayer de faire apparaître quelque chose qui simplifie, c'est je rentrerai le 1 moins x à l'intérieur de la somme. Je vous rappelle que juste, il vous demande d'utiliser le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, c'est deux sommes de termes est égal à un troisième. On va peut-être écrire d'une autre façon. Mais pour moi, il me faut une somme ou une différence de deux termes. Là, j'ai une différence. Je vais la faire apparaître à l'intérieur de la somme. Donc ça, ça va devenir la somme des R plus 1 parmi N. Si je t'ennuie, Mathis, tu peux sortir de ma salle. Merci. Oui Théo. Ah non, c'est petit n ici. C'est moi qui ai... Je veux juste changer la borne du haut qui était plus l'infini. Je veux juste la remplacer par du grand n pour que ce soit une somme borne finie et que j'ai pas de problème, c'est une somme finie. Donc toutes les propriétés sur les sommes finies, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Alors, cette somme, je vais la séparer en deux pour faire quelque chose après. Cette somme, ça va me faire ceci. Parce que je ne peux pas regrouper les deux termes entre eux. Parce que d'un côté, j'ai une puissance n et de l'autre, j'ai une puissance n plus 1. C'est ça qui est gênant ici. Comment je peux faire si je veux les regrouper avec la même puissance, ces deux sommes ? Ethan ? Factoriser par x puissance n, ça revient après à ressortir le 1 moins x qui est là. Ça revient à partir au calcul du départ, non? J'aimerais bien les regrouper par puissance, regrouper les termes qui vont avec. Donc pour ça, puisque j'ai du x puissance n ici, j'aimerais bien avoir du x puissance n ici. Marie? Ouais, alors dans les deux, on va poser i, c'est juste pour avoir la même lettre, mais oui, c'est ça. Ici, on va poser justement i qui vaut n plus 1. Ici, on va poser i égale n. Et on va voir que on va pouvoir regrouper les deux puissances ensemble. Ça, ça va donc me faire la somme pour i égale r plus 1 grand n des nr plus 1 x puissance n moins la somme pour i égale... Alors, c'est là, comme je pose i qui vaut n plus 1, j'ai donc... n qui vaut i moins 1, oui je suis pas fou, donc ça va aller de r plus 2, je suis pas fou, oui, jusqu'à grand n plus 2, plus 1, pardon, des r plus 1 parmi i moins 1, ah j'ai mis des i, j'ai mis des n là, à vouloir faire des i, allez, pourquoi je peux pas? Ça y est. Excusez-moi, comme j'ai changé i, j'aurais dû le changer ici. Et ça, ça va me faire du x puissance i. Ok. Oula.
Je vais donc pouvoir regrouper ces deux sommes au moins pour leur partie commune. La partie commune de ces deux sommes, on est bien d'accord que ça va être... de R plus 2 jusqu'à N. Ce qui veut dire que le terme en R plus 1, je vais le mettre à part. J'ai du R plus 1 parmi R plus 1, X puissance R plus 1. Je vais avoir la somme pour I égale R plus 2 à N des I parmi R plus 1 moins I moins 1 parmi R plus 1. Facteur de x puissance i. Et j'ai un dernier terme qui n'est pas dans la somme, qui est le terme en n plus 1, qui va me faire du n parmi r plus 1, x puissance n. Ok. Bon, je peux faire une petite simplification qui ne coûte pas grand-chose. Ça fait du x puissance r plus 1. Cette somme-là, alors c'est là où il y a une différence de deux coefficients du binôme et on m'a dit d'appliquer la formule du triangle de Pascal. Tais-toi Amélie, je t'entends d'ici. Donc... Je vous rappelle votre méthode du triangle de Pascal, c'est juste pour que... Comment on fait pour calculer un coefficient k parmi n au milieu? C'est on fait celui-là plus celui-là, et ça doit donner celui qui est là en dessous. Donc à vous de vous donner des indices quelconques. Oui Martin? Bah non, j'avais du n et du n plus 1, Martin. Fort. C'est juste ça. Mais merci de vérifier, parce que si jamais il y a une erreur qui s'est propagée, on va perdre du temps à la faire après. Le n, c'est xn. Ah oui, là par contre, là j'ai été... oui, je suis d'accord. Là par contre, c'est vrai. Puisque j'ai du i à l'indice n plus 1, c'est du n et ici c'est du n plus 1. Oui, c'est là où il y a n plus 1. Je suis tout à fait d'accord. Là j'ai été trop vite. Comme c'est mes termes qui vont pas me gêner après, j'étais pas trop inquiet. C'était pas sur celui-là que je me concentrais. Alors, donc j'étais en train d'expliquer ça. Donc à vous de vous donner des coefficients quelconques, mais si celui-là vous l'appelez k parmi n, celui d'à côté c'est lequel et il est égal auquel. Celui d'à côté c'est la même ligne, donc c'est toujours du n et c'est du k plus 1, et c'est égal à n plus 1 k plus 1. Alors maintenant il faut adapter les notations, mais ce qu'il faut se rendre compte c'est que, alors si vous voulez adapter cette formule, il y a deux termes en n là-haut, il y a deux termes en k plus 1 ici en bas. Et le reste, il faut adapter. Et si vous regardez la formule qu'on a ici, j'ai pas le même terme en haut. Mais j'ai bien en bas le même r plus 1. Ce qui veut dire que par rapport à la formule qui est là en bas, il faut que je la rééquilibre en disant que k parmi n, c'est n plus 1 parmi k plus 1. Moins nk plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord que si je rééquilibre comme ça, j'écris bien, j'ai bien regroupé du même côté les deux termes qui ont du k plus 1 en bas, exactement comme les deux termes qui ont du r plus 1 là-haut? Donc du coup, ce coefficient-là, ça devient... Parmi n moins 1, je suis pas d'accord. I moins 1, voilà. Exactement. Donc ce terme-là, ça fait du i moins 1 parmi r moins et on a bien appliqué la formule du binôme. Enfin la formule du triangle de Pascal. Excusez-moi.
Donc on finit le calcul. La seule chose, c'est que ça, il faut essayer de le relier à la quantité qui s'appelait SRN. Et pour SRN, le problème, c'est que j'ai pas des i-1 là-haut. Là-haut, j'avais du n. Donc c'est un peu bête, mais maintenant je suis obligé de le faire. Je suis obligé de refaire un changement d'indice en posant n qui vaut i-1 ici. J'ai pas le choix pour arriver à retourner sur un terme qui est correct. Donc je vais continuer mon calcul ici. J'ai toujours mon x puissance r plus 1 qui ne change pas. Ensuite, on va revenir à une somme. Ici, je pose n qui vaut i-1. Ça va me faire du n qui vaut r plus 1 à grand n moins 1. Des n parmi r, et attention, comme c'est du x puissance i, ça fait du n plus 1, ça va me faire du x puissance n plus 1. Et de l'autre côté, j'ai un moins. Pourquoi il y avait un moins au fait? Il n'y avait pas de moins ici, parce que, enfin, comme je l'ai séparé de la somme, je suis désolé, mais ici, il y avait un plus. Comme je l'ai séparé de la somme, il y a moins ce terme. Bah non. Non, c'est bien un moins. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je veux changer? Non, non, il y avait un moins ici. Excusez-moi. Mais il me gêne ce moins. Non, il va pas me gêner? Alors. On a quasiment fini. Cette quantité-là, on a le bon terme ici. Le problème, c'est qu'on a un plus 1 au niveau de la puissance de x. Et deuxième problème, c'est qu'on voudrait qu'il commence à r et il commence à r plus 1. Oui, Samy? Le truc, c'est qu'ici, alors on peut le faire d'une autre façon, mais ça revient au même après. Cette somme-là, si on l'écrit en trois petits points, celle-là, ça fait r plus 1 parmi r plus 1, x puissance r plus 1. Plus, il y a un terme en r plus 1 parmi r plus 2, x puissance r plus 2. Je continue comme ça, mais c'est juste pour montrer ce qui se passe. R plus 1 parmi r plus 3, x puissance. J'arrive pas à écrire vu que c'est en bord de feuille, mais r plus 3. Tu es d'accord sur les premiers termes de cette somme-là? Et je veux enlever ce terme-là. Si je l'écris, ce terme-là, en fait, il s'écrit pas ici. Il s'écrit moins. Et je commence à r plus 1 parmi r plus 1, pardon. X puissance r plus 2, vu que j'ai du n plus 1. Et il y a un autre terme en r plus 2 parmi r plus 1, x puissance r plus 3, etc. Donc j'ai une somme du même nombre de termes rouges moins la somme bleue qui est décalée. Ce que j'essaye de comprendre en faisant mon décalage d'indice, c'est que vaut ce terme-là pour la partie commune. Je suis bien obligé de décaler l'indice sur une des deux sommes pour les regrouper comme il faut. Donc c'est pour ça que je suis obligé de poser i. Et c'est pour ça que j'applique la formule du triangle de Pascal pour transformer cette différence de deux termes en ce nombre-là. Ça, c'est la formule du triangle de Pascal. Donc là, maintenant, en gros, j'ai mon premier terme qui était devant. Le premier terme qui était devant, il est devenu celui-ci. J'ai mon dernier terme qui serait, j'arrive pas à l'écrire, mais qui serait là-bas tout au bout. Vous êtes d'accord? Tout au bout, il y aurait un terme aussi tout seul bleu. Il y aurait un terme en bleu tout seul là-bas tout au bout. C'est ce terme ici. Et toute la partie centrale, je l'ai regroupée en un seul terme. Et ce terme-là, d'après la question, c'est pas moi qui le veux, c'est le sujet, c'est une question technique. Mais je veux l'écrire par rapport à SR, ou par rapport moi à SRN ou un truc de ce genre-là, qui est la somme pour n égale R
à plus l'infini ou n. Enfin, on verra bien sur quoi on tombe là-haut. C'est pas ça qui va me gêner. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir des r parmi n x puissance n, maintenant que j'ai fait cette formule-là. Et là, ce que j'ai obtenu par ma formule, c'est que j'ai un petit problème. J'ai pas du n parmi r, j'ai du i moins 1. Donc on a l'air d'avoir rien fait à reposer n qui vaut i plus 1. N qui vaut i moins 1, parce qu'on a l'impression d'avoir fait dans un sens puis dans l'autre et que ça n'a rien fait. Mais c'est parce que j'ai pu transformer le terme entre les deux et les regrouper que maintenant ça va me permettre de le réécrire comme je veux ici. Donc j'ai bien mon n que je voulais ici. Alors je vais réécrire sur le côté pour qu'on voit. Mais ce que j'aimerais tomber, c'est une somme avec du n égale r à quelque chose, ça va pas me gêner trop. R parmi n, x puissance n. Donc j'ai deux choses qui me gênent maintenant. J'ai le plus 1 qui est là. Le x là, non, je ne sais pas pourquoi j'ai pointé en dessous, me gêne pas. Et le r me gêne pas. Le deuxième truc qui me gêne pour obtenir ce que je veux, c'est que j'ai du r plus 1 ici. Comment je fais? Je voudrais tomber sur ça. Il y a deux idées. Théo ? Ouais, donc c'est du chal, ça, ok. Et ça, ça me permet de gérer ça sans problème, parfait. Et comment je gère le plus 1 ? Hugo ? Bah, il dépend pas de n, on peut le sortir de la somme. C'est les deux idées fondamentales. Hein. Donc je vais écrire que ça, c'est x puissance r plus 1. La somme pour... Alors, je vais le faire en deux temps. Hein. On va d'abord faire le châle. Donc, si j'ai changé ça en R ici, si je fais mon châle et que je mets du R, je dois enlever le terme que j'ai ajouté. Il se passe quelque chose d'assez simple. C'est que là, il y a ce terme-là qui va aller se simplifier avec le terme qui est là devant. Au final, il ne me reste que ces deux termes-là. On a fini le calcul, cette notation-là, c'est un peu lourd, mais cette notation-là, c'est bien mon SR, mes indices. La borne du haut, je m'en fous que ce soit pas la bonne. Bah alors, pourquoi il ne veut pas me faire du CTRL Z? J'ai un terme ici en plus. Et le membre de gauche que j'avais calculé, c'était ce qu'ils voulaient, eux, c'était ce membre-là. J'ai une égalité parfaite à n fixé. Maintenant, je vais faire tendre grand n vers plus l'infini. Si je fais tendre grand n vers plus l'infini, ce nombre-là, on s'était arrangé pour que ça tende justement vers SR. C'est-à-dire que la borne du haut, ça doit être l'infini, c'est pas gênant. Ce terme-là, il tend quand n tend vers plus l'infini vers... que j'ai du n ou du n moins 1 en borne du haut. Si je fais tendre n vers plus l'infini, la borne du haut va devenir de la somme plus l'infini. C'est pas géant. Donc ça fait le même nombre SR. C'était pas un SR ici, c'était un SR plus 1, excusez-moi. Et il reste une dernière étape, ce membre-là. Alors ça, c'est parce qu'on l'a fait ce matin, cet exo, mais ce terme-là, on l'a montré... Si je vous remontre ça, je remonte là-haut dans le sujet. Ce terme-là, on a montré que la série est convergente.
Donc forcément, si la série est convergente, le terme général tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Et on a bien prouvé par passage à la limite que, donc ça aurait fait du moins 0 ici, hein, que 1 moins x sr plus 1 est égal à x sr. Alors, on va en faire pas si souvent que ça, ce genre de calcul dans ce chapitre-ci. On va en faire beaucoup plus quand on va faire des probes infinies, parce que chaque fois qu'on aura un calcul d'espérance ou de variance, chaque fois, on devra quasiment utiliser les mêmes techniques. Bon, on en fera donc d'autres plus tard. C'est un peu lourd techniquement, mais il n'y a pas trop le choix. Si, notamment, puisque c'est surtout en proba qu'il faut savoir faire ça, si, imaginons que vous devez le faire sur une espérance. Et donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de règle de Schall sur les sommes discrètes, enfin sur les sommes infinies. On ne peut pas séparer la somme en deux, on ne peut pas faire ce genre de choses. Vous faites le premier calcul avec des bornes en n comme j'ai fait. Et après, pour toutes les autres questions, vous ne mettez plus de bornes en n, vous restez avec des bornes infinies et vous dites « Il faudrait officiellement que je mette des bornes n, mais je me permets d'aller plus vite vu que je l'ai bien fait une fois. » On le verra, mais bon, c'est la seule question un peu technique de ce sujet. Elle est un peu lourde, mais il faudra qu'on apprenne à faire ça sur des séries derrière. Officiellement, si vous devez séparer une somme, faire des calculs sur une série, vous êtes obligé de remettre des bornes finies. Oui, Marie? On fait un châle en commençant non plus à R plus 1, mais à R. Donc je suis obligé d'enlever le même terme à l'indice R. Et R parmi R, ça fait 1. Donc ça simplifie avec le terme de devant. Ok. Je vais remettre le sujet vu que le calcul a été long là. Mais on a cette propriété qui a été prouvée, on a cette relation là. En déduire que cette somme-là, elle vaut ce nombre-là. Comment on fait? Ça me paraît évident. Sur comment on fait. La preuve, je ne l'ai pas faite encore, mais sur ce que je vais devoir faire. Moralement, ce qu'il vous demande, c'est trouver la valeur de SR. Étape 1, on a calculé S0. Étape 2, on a trouvé ça. Ouais, alors ça se prouve par récurrence si vous voulez. Mais on peut même faire mieux. On peut faire plus vite encore qu'une récurrence. Mais une récurrence, ça marcherait bien. Puisqu'on a trouvé un lien père-fils et qu'on a S0, on peut prouver cette formule par récurrence, ça marche. Mais là, c'est encore plus facile que ça. Je peux vous le réécrire comme ça, cette relation-là. Alors oui, l'indice c'est R. Mais c'est quoi comme type de suite ça? Oui, c'est une suite géométrique de raison x sur 1 moins x. Donc c'est juste ça. Hein. D'après 3B, SR est une suite géométrique de raison x sur 1 moins x, ce qui implique que SR c'est x sur 1 moins c'est S0 fois x sur 1 moins x à la puissance R. S0 on l'a calculé tout à l'heure, ça fait 1 sur 1 moins x. Si vous connaissez vos règles sur les puissances, il n'y a rien de très méchant là-dedans. Ça fait du x puissance r au numérateur et du 1 moins x puissance r plus 1 au dénominateur.
en groupant correctement les puissances. Et c'est exactement le résultat qu'il voulait vous faire trouver. Donc ce qu'on vient de montrer, c'est ceci. Et ça, c'était du R parmi N, X puissance N. Et attention, question D. On vous demande cette valeur-là. C'est même marqué dans le sujet quelle valeur trouver, vu que c'est pour faire des probas à la partie d'après, mais on vous demande cette valeur-là. Noix. Ouais, on sort, de toute façon, mais c'est la même idée, on sort le moins x puissance moins xr de ça. Somme pour n égale r à plus l'infini des x puissance n, ça fait donc du x moins z moins r sr. Et ça, ça fait donc du x puissance moins r fois x puissance r sur 1 moins x puissance r plus 1. Et d'ailleurs, en fait, c'est là ce que je viens de vous faire faire dans cet exercice, c'est un peu la généralisation des sommes de référence de ce matin. On avait dit qu'on pouvait dériver la série géométrique plusieurs fois s'il le fallait, et que chaque fois la série dérivée est égale à la fonction dérivée qui était la somme. Mais on a une formule de récurrence, et j'ai dit, ben non, il y a le 6 qui apparaît à cause des constantes. Bah en fait, comment compenser les constantes et avoir une formule qui marche, il faut mettre du R parmi N devant le X puissance N. Et là, d'un seul coup, la formule, elle marche beaucoup mieux. Et c'est ce qu'ils font dans cette formule-ci. Bon. Il est particulier ce sujet. Je sais que la question d'avant était très technique. Un peu trop. Mais parfois, des calculs d'espérance et de variance, ça va devenir comme ça pour nous. J'ai pas encore décidé si on fait les probas infinis dès la semaine prochaine ou si on fait les intégrales impropres avant. Bah justement, c'est parce que vous voulez faire des probas, alors, enfin, ou alors vous voulez pas en faire, mais je me dis que plus vite j'en fais, mieux c'est. Mais d'un autre côté, ce serait bien d'avoir les intégrales impropres pour augmenter la capacité de sujet aussi très très vite. Donc je n'arrive pas à me décider. Ça fait 2 jours que je suis. Bon, bref. Mais j'ai un peu plus peur d'attaquer les espérances et les variances infinies quand je vois vos yeux devant cette question-là. Et là, je vois votre bouche même aussi. Alors. On va pas tout faire, mais on va attaquer l'autre exo que je voulais vous faire faire ce matin. On le continuera jeudi. Je sais pas si on fera toutes les questions. Zoom. Oui, bah, monsieur Pruvot m'a rendu ton DS. DM4. C'est pas grave. Qu'est-ce que je cherchais? Celui-là. Tiens, au fait, la partie 1 de ce problème. C'est ce qu'on a fait en TD il y a une semaine ou deux, là, 2 semaines. On va peut-être pas aller jusqu'à la dernière question. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'arriver jusqu'à la dernière question, mais... C'est pour généraliser l'idée de ce matin. On n'a pas de résultat qui nous permet de dériver une série ou de primitiver une série. Mais dès qu'on a des résultats sur des sommes finies, on peut essayer de primitiver ou de dériver les résultats qu'on a. Allons-y. Je vous donne x un réel appartenant à 0,1, ouvert en 1 encore une fois, et t un réel dans le segment 0x. Est-ce que vous pouvez me montrer l'égalité qui est là? C'est d'une difficulté infinie.
Ah, c'est pas assez grand? Je pourrais pas faire beaucoup plus grand que ça. Noix. Même pas des séries. La somme des suites géométriques, c'est juste ça qu'il faut réécrire et rééquilibrer. Alors, on va partir de ce membre-là, parce que ce membre-là, on sait le calculer, c'est une somme de séries géométriques, de suites géométriques. Alors, on a t qui appartient à 0x, qui est lui-même inclus dans l'intervalle 0,1. Enfin, c'est plutôt pour la question d'après qu'on a besoin de ça. La somme des t puissance k écrit comme ça, ça fait du 1 moins t puissance n sur 1 moins t. Alors je remonte, c'est quoi? Comment il va l'équilibrer ça? Ok, comme ça. Ce qu'il ne faut pas rater dans cette formule qu'on écrit toujours comme ça, c'est qu'on peut séparer la fraction. Si je sépare la fraction, ça devient du 1 sur 1 moins t moins t puissance n sur 1 moins t. Et je me retrouve juste avec une petite équation du type A est égal à B moins C. Et donc ça, je peux le rééquilibrer. Ils veulent juste écrire quoi avec ça? Je remonte. Donc ce qu'ils veulent juste écrire, de ça, ils veulent en déduire que C est égal à B moins A. Qui est équivalent donc à ce que 1 sur 1... Non, C. Non, c'est pas C. J'ai écrit n'importe quoi, excusez-moi. C'est pas C égale B moins A avec les notations. Ils veulent moins la somme, donc c'est du... Qu'est-ce que j'ai fait? 1 sur 1 moins T moins... Si, c'est ça. C'est juste que je l'ai écrit dans l'autre sens, mais c'est ça. C est égal à B moins A. Et donc ça s'écrit pas comme ça, s'écrit T puissance N sur 1 moins T est égal à 1 sur 1 moins T moins somme pour K égale 0 à N moins 1 des T puissance K. Bien sûr, à partir du 1 sur 1 moins T moins la somme, et puis mettre la somme sous forme de 1 moins T puissance N, et puis après... Regrouper les calculs, bien sûr, bien entendu, non? Bien entendu. Ok, c'était celle-là surtout que je voulais faire. Après la question 7, je vais essayer de la passer un peu vite. Mais c'est la question 6b qui m'intéresse le plus. En déduire que moins ln de 1 moins x moins une somme est égal à une intégrale de 0 à x de t puissance n sur 1 moins t dt. Déjà, c'est marqué en déduire. Mais vu les deux membres de droite, je me demande bien ce que je vais faire sur le calcul de l'équation précédente pour arriver à la ligne d'après. Que faut-il faire sur l'égalité précédente pour essayer d'en déduire le résultat? Théo? On va intégrer sur le segment 0x. Parce que là, le membre de droite, c'est exactement ça qui est apparu. Ben allons-y. Donc ça, c'est 6b. Alors, j'utilise directement la linéarité de l'intégrale pour gagner un tout petit peu de temps. Si j'utilise directement la linéarité de l'intégrale, ça fait ceci. On a quasiment fini. Ça, c'était le membre de gauche qu'on voulait. Le membre de droite, comment on primitive 1 sur 1 moins t?
Alors ça fait du ln de 1 moins t, sauf que quand vous le dérivez, il y a un moins qui sort. Donc ça fait du moins ln de 1 moins t. Comment on primitive t puissance k? Ça, j'espère que c'est, ça pose aucune difficulté. Ça fait du t puissance k plus 1 sur k plus 1. Ce qui nous mène à du moins ln de 1 moins x. Alors comme il y a 48, je vais vous rééquilibrer cette équation et vous expliquer quel est le but de la suite de la, des questions qui suivent. Mais voilà ce qu'on vous demandait en 6B, on l'a bien prouvé, hein. Mais sinon, ça peut se réécrire comme ça. Dans ce cas-là, si je passe ça de l'autre côté, j'aurai un moins. Alors, ce n'est pas exactement la formule, une formule de cours, mais ça y ressemble quand même vachement. Ça ressemble à quoi comme formule? Ouais, tout à fait d'accord, Nathan. Ça ressemble à une formule de Taylor avec reste intégral. Alors je vous assure que c'est pas la formule de Taylor avec reste intégral, parce que l'intégrale elle serait beaucoup plus horrible si on avait fait Taylor avec reste intégral. C'est pas exactement la formule de Taylor reste intégral, mais en plus je vous rappelle que dans les formules de développement limité que je vous avais dit d'apprendre, on pouvait apprendre que si on met un moins au niveau de ln, il y a un moins sur tous les coefficients et que c'est de la forme x, x sur 1, x carré sur 2, x cube sur 3, donc en fait de la forme xk sur k. Donc ça, c'est bien le développement limité de ln. Qu'est-ce qu'il me reste à faire et quel est le but? Si c'est pour parler de série. Alors, c'est pas une série de référence, c'est pas à savoir. Mais tous les sujets qui veulent vous faire utiliser la série associée à la fonction logarithme sont obligés de passer par ce genre de méthode ou par Taylor. Mais l'idée maintenant, c'est de montrer que cette intégrale tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Si l'intégrale tend vers 0, c'est que c'est un terme de reste qui est négligeable. Ça veut dire que là, on peut écrire, si l'intégrale tend vers 0, que ln de 1 moins x, c'est quoi comme série? C'est la somme pour, alors je peux garder k si vous voulez, mais c'est la somme pour k égale 0 à plus l'infini, dx puissance k sur k. Et ça nous donne un développement de ln en série. Alors vous allez dire, mais ça sert à quoi? Ça sert dans l'autre sens. C'est que si maintenant, plus loin dans le sujet, on a une série qui s'écrit en x, somme dx puissance k sur k, on pourra calculer la somme comme un ln. C'est ça le but plutôt. Mais donc, on arrête là dès que je vous l'aurai montré, mais on le continuera jeudi parce qu'il est bien ce sujet. Le but de la question 7, bah, c'est justement d'en déduire la limite de l'intégrale. Donc d'en déduire que l'intégrale tend vers 0. Et le but de la question d'après, c'est bien de montrer que la série que je vous ai donnée, ça fait du moins ln de 1 moins x. Les deux questions après, c'est du calcul pour s'en servir de cette série. C'est fini.